École. Demande-lui d'aller à la lumière, c'est mieux. Hein. Non, c'est, je pense que j'ai fini mes deux heures là. Recule un petit peu, comme ça tu as la lumière. Ah non, c'est bon. Bon, comment c'était ce soir? Écoute, c'est fantastique, hein, un peu comme la première édition de la conversation du Rockbar. Ça c'était un succès. Les amis qui sont venus, Nicole. Mes joueurs, mes partenaires, je veux dire, qui sont là. Tout le monde, les joueurs d'Arsenal, de Wigan, de Tottenham, de partout. Et voilà, ça montre une certaine solidarité du milieu. Et puis, voilà, artistes, parce que je les considère tous comme des artistes. C'est étonné d'avoir un plateau aussi relevé que ça. Didier, qu'est-ce qui a changé par rapport au gala de l'année dernière? Ce qui a changé, pas grand-chose au niveau de la motivation et puis l'intérêt des gens par rapport à la fondation. Et on a réussi aussi à avoir un peu plus de sponsors, oui. Dont la Petrosi que je remercie de tout cœur. Mm-hmm. On a toujours les mêmes sponsors comme Pepsi aussi qui sont là, fidèles partenaires et qui sont toujours là. Et beaucoup d'autres encore qui répondent présents pour cette bonne cause. Tu as aujourd'hui à cette vente aux enchères, on a vendu quand même des lots assez prestigieux. Comment tu as pu faire pour convaincre ces personnes de pouvoir Beckham, Kobe Bryant et tout ça? C'est ça, ce sont des personnes que je connais, je dirais pas des amis, mais c'est des personnes que je connais suffisamment pour pouvoir leur demander de me rendre un service. Et bien sûr. Comme souvent, ça étonne certains, mais ils répondent présents à chaque fois. David Beckham a voulu me donner encore plus de trucs. On a dit non, c'est bien pour cette édition-là. Le maillot, ça nous suffira. Et puis voilà, c'est un nom tellement important. Et puis Toby, on s'est rencontrés une fois et puis tout de suite, le courant est passé. On a eu de bons échanges et tout. Donc tout de suite, il a voulu aider la fondation. C'est exceptionnel pour moi. Vraiment, je suis quelqu'un de comblé aujourd'hui. De savoir que tout le monde a répondu présent, qu'il y a du monde, c'est exceptionnel. On t'a senti quand même un petit peu ému quand tu as parlé de la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu t'es quand même ému? Ça m'attriste. Et puis ça attriste tous les ressortissants ivoiriens partout dans le monde. C'est dommage. C'est une situation qui ne donne pas une très bonne image de notre pays. Et malgré tout ça, on est solidaires du pays, on essaie de promouvoir la paix. De suivre ce qui se passe au jour le jour. On suit tout ce qui se passe, on a des amis un peu partout, et puis on suit ce qui se passe et on espère vraiment que la situation va s'arranger parce que on n'a pas passé 10 années de crise comme ça, au moment où on pense s'en sortir et puis aller dans une situation beaucoup plus aggravée et dense. Je pense qu'on a une meilleure image de la Côte d'Ivoire à montrer au monde et voilà, j'espère qu'on comprendra ça. Sur une note sportive, tu retrouves le Vélodrome mercredi en Ligue des Champions. Comment tu te sens là, quelques heures de ce match? Bien, c'est important. Ça va être important pour moi de retourner là-bas et de retrouver des repères, des sensations. Bon, j'ai hâte. Tu n'auras pas de sentiment, si tu peux marquer, tu marqueras. Si il faut marquer, je marquerai, bien sûr. Mais c'est vrai que je serai ému, mais voilà, rien ne pourra empêcher ça. Je serai ému, ça c'est sûr et certain. Et de toute façon, l'OM est pratiquement qualifié. Ils sont qualifiés, et donc ça facilite les choses. Un dernier mot sur la fondation, Oui. Alors, on sait que ta fondation, c'est pour beaucoup pour soigner beaucoup de maladies diverses. Toi-même, tu as été victime du paludisme il n'y a pas longtemps. Ça va mieux? Ça va beaucoup mieux, oui. Dieu merci, ça va mieux. Comme quoi, hein, c'est pas quelque chose qui arrive simplement à ceux qui sont, disons, en Afrique ou quoi que ce soit. Bien sûr, le fait d'être passé là-bas a fait que j'ai été touché par le virus, ouais. Mais
Je veux dire, c'est important de savoir que à tout moment, on peut tomber malade et qu'il faut des gens pour nous aider, il faut des gens pour essayer d'apporter leur soutien. Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci beaucoup, Didier. Thank you.